Oh putain de merde, tu l'entends venir ou pas, frère? Est-ce que tu... Ah bah oui, forcément. Forcément, non mais attends! Attention, au cas où vous ne l'aurez toujours pas compris, ce jeu est censé être un jeu d'horreur. Il y a donc des bruits qui sont assez forts, des images qui vont scintiller. Genre, grosso modo, ça fait peur, tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, c'est censé faire peur. Si t'as téléchargé ce jeu en pensant que ça sera un jeu éducatif pour tes enfants, ne les laisse surtout pas y jouer, à moins qu'ils kiffent les jeux d'horreur. C'est ce qui est écrit ici. Yeah bro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Baldi's Basics. Et... Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Ferme ta gueule. Là, c'est lui qui a parlé apparemment, tu vois. C'est, c'est sa voix. Et Baldi, en fait, en vrai, je crois que ça veut dire petit crâne chauve ou un truc comme ça. Parce que bald, ça veut dire chauve. Et je crois que ça veut dire crâne d'œuf ou un truc comme ça. Non, mais en tout cas, c'est un petit surnom mignon. Sauf que le mec là, il n'est pas si mignon que ça. Tu vois ce que je veux dire? Malgré l'apparence, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux voir à travers ce monsieur. Et je ne dis pas ça parce qu'il porte du vert. Parce que ça pourrait faire un fond vert, tu vois. Non, je dis pas ça pour ça. Je dis vraiment ça parce que bah, j'ai vu des vidéos, notamment celle de Farod. Et bordel, j'ai vu que Baldi était pas très gentil. Hein. Alors, le mode histoire, tu dois réunir 7 carnets de notes et tu dois dégager de l'école. Salut! Ça va? Il me dit bienvenue dans mon école! Oui, merci frérot, ça va? Ouais. Donc en fait, là, au début, c'est tout mignon, tout gentil, tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à ce que mort s'en suive. J'essaie d'ouvrir une porte ici. Oh, donc là c'est une salle de classe, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est des crayons, ou je ne sais quoi. Je sais pas si je peux les choper. Non, je pense pas en vérité. Non, c'est pas pour nous ça. Ça non plus c'est pas pour nous. Nous ce qu'on doit choper c'est ça. Ça c'est un notebook et en fait ce sera des exercices à mon avis. Donc en gros, il faut que je fasse 7 plus 0 égale 7. Maintenant, deuxième problème de maths, c'est quoi? 7 moins 0 égale 7. 4 plus 8 égale 12. Oui, j'ai gagné. C'est bon? Donc là j'ai... Waouh, c'est bon. Là j'ai un notepad, enfin un notebook pardon. C'est-à-dire j'ai un carnet de notes. Donc là déjà, on s'en sort plutôt bien. Waouh. J'ai chopé une pièce, merci frérot. Merci Baldi. Même si je sais que t'es un gros bâtard de merde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là on va rentrer dans l'autre salle de classe. Et je sens que ça va... Je sens que ça va vraiment chier, tu vois ce que je veux dire? Sorry, was too lazy to... Add more subjects. Genre il était vraiment flemmard d'ajouter plus de sujets. D'accord. 2 plus 4 ça fait 6. Quoi? 2 plus 4 ça fait 6 frère. 4 plus 5 ça fait combien? Ça fait 9. D'accord, mais pourquoi c'était... Oh putain, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Oh là là, bon d'accord, je mets 7 7 7. D'accord, donc apparemment il a pas kiffé. Il a vraiment pas kiffé. Et à partir de là, il commence à taper sur son petit bâton de merde. Et en fait, il devient vraiment flippant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il se rapproche... Oh! Oh putain, j'ai la chair de poule! Il se rapproche de nous! Oh! Oh le fils de chien, s'il nous chope, il va nous punir en fait. Oh. Et en attendant, je dois choper les autres carnets de notes. Fils de pute! Oh putain, je suis en heure de colle! Enfin, je suis en colle, pardon. Oh. Mon dieu, dans 9 secondes je serai libéré. Oh là 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 là. Oh, il est juste là le fils de pute. Ne t'approche pas connard, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Oh, comment je fais moi pour sortir d'ici? Comment je fais? Il va me choper en colle. Oh, il va me niquer. Education and learning. That's me. Mais nique ta mère. Putain, en fait, si c'est comme ça, autant rater le premier, frère. Parce que dans tous les cas, tu vas un an. Parce qu'après, ça nous fera encore plus de trucs à choper. Oh, bordel, comment c'est chiant. Donc, 5, 1 moins 8, 7. Mais, ah, c'est 1 moins 8 ou c'était 8 moins 1? Oh, merde, putain, sa mère. J'ai tout niqué dès le départ. Putain de merde, c'est pas possible. J'ai juste un seul notebook en plus, au lieu de... Au lieu de je sais pas combien. Oh là 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 là, il est dangereusement proche de moi. D'accord, non mais attends. Ah oui, il peut pas passer. C'est cool. Alors Baldi, t'as le seum hein? Petit fils de pute. Je vais choper le deuxième, tu vois. 6 plus 3 6, 7, 8, 3, 9. Et ça bah évidemment c'est 7, 7, 7. Évidemment, à chaque fois. Et là il va pouvoir passer la porte. Fils de... Oh mon dieu. Mais ça
fils de pute! Welcome to Bali's Basics in Education and Learning! Mais nique ta mère! C'est vraiment un jeu de merde, hein! Franchement, Baldi's Basics, c'est pas du tout la base, hein, parce que normalement c'est les bases de Baldi, je sais pas quoi. Ah non, c'est pas du tout la base, du tout. C'est vrai. Non mais attends, c'était 2 plus 1, frère, pourquoi il est pas content? Tu sais quoi, nique ta mère, frère, voilà, je te mets toutes les réponses que tu veux. Mais là, je vais me faire violer, hein. Je sais pas si vous rendez. Je vais encore me faire violer par ce bâtard. Parce que là, je vais pas répondre juste, tu vois. Mais en fait, là, y a aucune importance que je réponde juste ou pas, non? Je peux répondre n'importe quoi. Dans tous les cas, j'aurai le notebook, non? C'est pas vrai? Je l'aurai le carnet. Ça me fera deux trucs, même si je les rate. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Putain, regarde, il va encore rentrer ici, ce connard. Vas-y, vas-y, viens, viens. Je t'attends, frère. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Vas-y, je m'échappe. Je m'échappe. Bouge. Bouge. Oh. Oh. Oh, le fils de pute. Oh non. Je vais me reposer. C'est quoi ce truc? Oh. C'est quoi ce truc? Ah mais il m'a sauvé lui. Voilà, il m'a sauvé. Enfin quoi que frère, il m'a à moitié sauvé parce que là. Oula, 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 je suis en stress. Oula. Non mais attends frère, attends, oui tu m'aides, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Putain mais lâche-moi. Je me fais suivre par un putain de bâtard frère, un putain de psychopathe. Oh oui, aide-moi frère. En fait c'est un héros lui en vérité, hein. Ouais, enfin c'est un héros mais à moitié tu vois parce que là, j'ai besoin de rentrer dans une salle de classe. Mais il m'aide ce truc, hein, il m'aide vraiment à me déplacer à une vitesse assez ouf, tu vois. Emmène-moi. Emmène-moi, frère. Je suis en stress. Mais arrête, il me casse les couilles. Putain, mais c'est quoi ce portable, là? What the fuck, en plus? C'est quoi, ce n'importe quoi? Attends, attends, attends. Oh, je le vois, là-bas. Je le vois, ce bâtard. Reste où t'es, connard. Ouais, c'est la cantine, ça, ou quoi? What the fuck, man? What the fuck? C'est la cantine. Attends. J'ai ce truc-là, je sais pas. C'est du soda. Waouh. Ah, non. Le soda, j'aurais pu l'utiliser contre lui pour le repousser. Oh non, maintenant il va venir me choper. Il va venir me choper, ce connard. Putain, mais qu'est-ce qu'il a à faire ici, lui? Oh, du chocolat, oui. Energy flavored, je sais pas quoi. Non, 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 pas la colle. Il veut me choper pour la colle, lui. Arrête. Arrête. Dégage. Qu'est-ce que tu veux? Je suis dans la cantine. Nique ta mère. Viens, on se bat. Là, c'est un fils de pute, frère. Pourquoi il fait ça, Maldi? J'ai une pièce. Je sais pas à quoi ça me servir, mais prends-la, frère. Ah, prends le troisième truc. Ah, réponds n'importe quoi, frère. Réponds n'importe quoi. Ah, ça me fait trois trucs. Putain, il me fait stresser, ce bâtard. Oh mon dieu, il est où? Là, il se déplace rapidement. Là, il va me violer de chez violer, là. Oh putain de merde, tu l'entends venir ou pas, frère? Est-ce que tu... Ah bah oui, forcément. Forcément. Non mais attends! Attends! Il va trop vite. Il va trop vite et j'ai plus de stamina, frère. Oh, putain. Non. Nique ta mère. Nique ta mère. Oh mon dieu. Oh putain, ça me fait 4 trucs. Mais dans tous les cas, il sera de l'autre côté. Oh, il va me violer, frère. Il va me violer. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Heureusement que je filme ça la journée, frère, parce que sinon ça serait catastrophique. Je vais vraiment essayer une toute dernière fois, parce que là après je pète un câble sinon, frère, c'est n'importe quoi. Oh là, c'est n'importe quoi. Regarde, 7 plus 8, ça fait bien 15. Vas-y, là c'est bien. 1 plus 3, ça fait 4. 1 moins 1, ça fait 0. C'est bon, on l'a eu du premier coup, celui-ci. Ok, d'accord, donc le premier, on l'a eu, tu vois. Oui, great, c'est bien. Oui. Oh, il y a un truc qui brille. La pièce de ta mère, la... Ah, putain, je vais insulter sa mère, ce bâtard. Et celui-ci, forcément, il y aura un problème qu'on pourra pas résoudre. Regarde, ça fait 4. 6 moins 4. Attends, il me fait hésiter, ce bâtard. Ça fait 2. Ça fait 2, non? Et là, comment tu veux résoudre ça? J'entends chaque porte que tu ouvres, sale fils de pute. Parle mieux des portes que j'ouvre, s'il te plaît, d'accord? Parce que moi, la dernière fois que je t'ai parlé, j'ai ouvert ta daronne, d'accord, frérot? Oh non, pas lui! La colle! Putain, c'est vraiment un fils de pute. Oh, je suis enfermé ici, il va se rapprocher de moi, le connard. Oh non, il est juste derrière.
Bon bah, au moins voilà. On sait maintenant, où est-ce qu'on va finir. Non. Oh mon dieu, je dois sauter avec la corde à sauter. Oh putain, fils de pute de corde. Il m'a même pas laissé sauter. Il m'a même pas fait. Il m'a même pas laissé faire un seul cycle de corde à sauter. Oh. Nique ta mère, Baldi. Nique bien ta mère. Oh là là, c'est pas pour rien que t'es chauve. Je supporte pas ce jeu. Il est flippant. Le mec, c'est un crâne d'œuf. J'ai rien contre les crânes d'œuf, mais les crânes d'œuf flippants. Ça me fait flipper. Je pense que c'est logique, tu vois. En tous les cas, si vous avez kiffé la vidéo, bah vous me le dites, vous me faites savoir. Et j'essaierai peut-être de jouer à d'autres jeux d'horreur. Pas celui-ci, parce que je le déteste. Mais un autre, pourquoi pas, d'accord ? Qui vous ferait plaisir. Et vous me le dites, parce que ça fait longtemps un jeu d'horreur. Dans tous les cas, prenez soin de vous. J'ai appris une vidéo. Peace. Ah ouais, fils de pute de Baldiva.